Quel est votre plus grand rêve dans votre vie? Mon plus grand rêve, c'est de devenir journaliste. Parce que, franchement, j'aime bien. Parce que ça me plaît toujours passer à la télé ou autre. Là. Franchement, c'est inspirant, en fait. Donc, je voudrais vraiment faire mon effort le plus fou pour arriver jusqu'à là. Mon plus grand rêve, c'est de travailler. Pas en France, pour aller travailler là-bas. Actuellement, mon plus grand rêve, je suis en train de déposer des documents un peu partout. Mon plus grand rêve, c'est que mon document soit validé. Voilà, c'est mon plus grand rêve que là. En plus de ça, j'encourage tous mes frères et sœurs. Ils sont dans l'allée, ils cherchent, ils se battent, ils n'ont qu'à se battre. Il ne faut jamais perdre l'espoir. C'est tout ce que je peux dire actuellement. Mon plus grand rêve même. Ah, si moi je gagne une voiture pour nous, pour moi-même je peux vous oublier ça. Voilà, il faut moi-même chercher ma voiture, savoir où pour quelqu'un aller là pour le moment. Si Dieu me donne pour moi aussi, je prends. Ben, je n'ai pas encore gagné pour moi. Savoir que je roule pour quelqu'un. C'est ma vie. Où est-ce que mon patron aussi, il est bien avec moi. Voilà, il est bien. Mon propre voiture, là, il est construit maintenant. Là, il sait que je travaille. Voilà, parce que quand tu travailles pour quelqu'un, c'est comme tu n'as rien d'abord. Tu fais travail pour quelqu'un même. Lui, ça a reçu, toi, je ne sais pas. Tu vois, non, voilà, nous on travaille un peu pour qu'on gagne pour nous. Si on gagne pour nous, on peut rouler pour payer nos maisons aussi, pour mettre nos papas en l'aise, nos papas en l'aise, et nos mamans en l'aise, tout le monde. Tu vois, non, mais pour le moment, on n'a pas le choix. Même actuellement, il doit aller au village pour aller fêter, mais je n'ai pas pris parti. À côté, il n'y a pas l'argent. Tu vois, non, voilà, donc on est en train de se débrouiller un peu. Mon plus grand rêve, c'est la réussite de mes enfants. D'abord, ils doivent connaître le Seigneur. Ça, c'est la réussite, la bonne réussite d'abord. Et après, leur succès dans tout ce qu'ils font. Voilà. Moi-même aussi, mon foyer soit béni, mon mari soit béni, ma belle famille se donne au Seigneur. Tout ce que les gens se donnent au Seigneur, c'est merveilleux. Comme être important et puis permettre d'avoir une famille heureuse, des enfants tranquilles, tout, c'est l'essentiel, quoi, moi. Le plus important, comme on le dit, c'est la famille, tout le monde est heureux, tout le monde, les voitures, tout ça, ce sont des trucs que ça vient, mais ça va passer. Si tu as une BMW aujourd'hui, demain tu vas vouloir avoir une Ferrari, donc je crois que ça peut passer. Mais la famille reste toujours la chose la plus importante pour moi.